Oula, t'as sorti le marmot moitié pigeon. Vas-y, continue. Julia, le prochain c'est pour moi. Je t'ai dit que j'en avais marre. Cette mission, elle me saoule. Et toi, tu m'emmènes dans un bar où il y a un speed dating? Et lui, là? Je t'ai amené ici pour que tu comprennes que tu peux lâcher l'affaire. C'est ce que tu veux, non? Oui, mais... Maman, elle dit qu'ils auront toujours besoin des doses. Oh, mais Vénus, avec son QI d'huître... Faut pas trop lui en demander, hein. Et voici notre filtre d'amour pour ces messieurs. Mais ça faisait longtemps. T'as plus du tout besoin de mes doses. Eh ben non, ça va très bien. C'est toujours un plaisir de te voir, mon amour. Tiens, je vais te montrer un truc qui va t'amuser. Bon, c'est pas des bonbons, hein, mais je peux t'assurer que l'effet est le même. Et pas d'amour éternel, bien sûr. Attends, mais tu veux dire que... C'est quoi ce truc ?
Ah non, mais je suis consciente que je t'en demandais trop. J'ai rencontré un pote. Un bon coup, d'ailleurs. Tu sais, c'est un genre d'alchimiste. Eh ben, il a trouvé tes bonbons géniaux et il a réussi à les reproduire. Ouais, enfin presque. C'était plus simple de faire un spray. C'est une bonne idée, non? Pour les gens comme moi, c'est pratique. Oh, attends, je reviens. Non mais attends, me laisse pas comme ça sans explication. Sublime créature. Comment c'est elle que t'es Cupidon? C'est Catherine. On s'est rencontrés un jour où j'ai fait tomber mes capsules dans un confessionnal. Bah alors c'est parfait, t'as plus besoin de faire le dealer pour ta mère. Ils ont leur truc maintenant. Ils ont pris leur vie en main. Tu peux faire comme eux, vivre comme eux. Ouais, mais ce qu'ils font, c'est pas incroyable. Ah si, attends, c'est génial. C'est carrément indispensable, moi j'adore. Attends, tu veux dire que t'as jamais eu de... Non. Tu te fous de moi. Toi qui en donnes à tout le monde, tu sais pas ce que ça fait. Je crois pas que je peux faire ça, moi. Pas une seule fois. Jamais. Oh. Ah ouais, quand même. Ben, si tu veux, on peut essayer aujourd'hui. Mais comment? Ben avec n'importe qui, juste pour essayer. Allez. Oh non, pas encore. Qu'est-ce que t'as foutu cette fois? Rien de mal. J'essayais juste d'arranger quelques trucs. Ça fait combien de temps que tu rentres dans ce bureau pour arranger quelques trucs? Combien de conflits majeurs tu as déclenchés? Sans doute plus que moi. C'est mon boulot. Et le tien, c'est ton fils qui s'en occupe maintenant. Notre fils. Attends. Encore un dernier petit truc. Non, tu touches plus à rien. C'est toi qui as fait ça! Ah non! Sinon, ça serait pas si réussi! Oh. C'est qui, elle? Qu'est-ce qu'elle fout avec Bacchus et Cupidon? Oh, ça ne me dit rien de bon. Il y a trop d'amour autour de cette fille. Ah, parce que toi, tu sais ce que c'est que l'amour. Et lui, pourquoi il fait rien? Il a une mission! Oh, tais-toi! C'est encore à cause de ton frère. Oh, cet ivrogne! Ça suffit! Je vais les convoquer. Ils vont reprendre qui commande. On n'est pas chez les mortels. On a un monde à faire tourner ici. Alors, t'as trouvé quelqu'un? Ouais, comme ça... Je sais pas comment faire et je sais même pas si je peux, donc... T'as qu'à utiliser tes capsules. Bah, c'est pas fair play. Et de toute façon, c'est pas forcé de connaître l'amour pour être mortel. Oh non. Gentille dame, accepteriez-vous d'offrir une dose à ce petit freluquet? Avec plaisir. Hein, tu fais pas ça? Ça se fait pas et d'ailleurs, on sait même pas si ça marche ton truc. Y a peut-être des effets secondaires. Ah bon, on va vérifier tout de suite. Guillaume? Alors, comment ça se passe avec Julia? Je suis au bar depuis le début de la soirée. Ne me regarde pas. Tu lui as dit? Non, mais... Elle est magnifique. Et moi? Moi, je suis moi, quoi. Donc, voilà, c'est incompatible, ça marchera jamais. Julia, tu peux m'apporter des glaçons, parce que... commence à faire chaud, ici. Qu'est-ce que tu fais? Ça, tu vois. Ah, t'es là, toi. Ouais. Tu peux venir avec moi? Faut absolument que je te dise un truc. Ouais.
Tu veux bien lâcher ton téléphone? Et t'intéresser un peu à moi? M'intéresser à quoi? Mais regarde-toi, t'es triste à mourir. Tu te crois belle, mais tu fais toujours la gueule. Du coup, t'es moche! Faire le malin, mais tu crois que tu sers encore à quelque chose? Et en plus, il a jamais essayé. Oh non! Tu sais pas ce qu'on ressent quand la peau de deux êtres se touche? Comment on vibre au moment de l'orgasme? Ouais, je crois que t'es pas prêt. Hein. Ah, je peux te comprendre, hein. C'est confortable d'être dans ta position actuelle. On prend pas de risques, on réfléchit pas trop, on s'amuse pas, si ça te plaît. Ah oui, il faut du courage pour lâcher prise. Non mais c'est bon, t'as fini? Tu veux voir du lâcher prise? Vous voulez tous voir du lâcher prise? Oh. Toujours aussi kitsch ici, hein. Une architecture si modeste. Ah, des siècles que je suis pas venu ici, en même temps ça m'a pas beaucoup manqué. La ferme, on se fout de tes commentaires. Salut petit frère, toujours aussi sympathique. Hein. Où est mon petit amour? Il est pas venu? Mais qu'est-ce que tu lui as mis dans la tête? Il manquait plus qu'elle. Tu as toujours été un incapable pour tout. Mais pour éloigner les gens de leurs devoirs, tu es le meilleur. Vous auriez peut-être dû en faire le dieu de la lâcheté, père. Oh, mais où est le mal, petit frère? Père, pour une fois que j'ai éveillé quelqu'un au lieu de l'endormir ou de l'enivrer, en même temps, c'est lui qui a décidé. Il est bien plus lucide que vous. Hein. Lui, il les connaît bien, les mortels. Tu te rends pas compte de ce que tu as fait? Si les mortels accèdent à l'amour sans Cupidon, qu'adviendra-t-il ensuite? Tu crois qu'ils survivront sans qu'on ne les guidions? Évidemment, c'est toujours la même chose. Tous les problèmes partent de l'amour, qui dévie du devoir et de la raison. La guerre a toujours su remettre les gens dans le droit chemin, faire prospérer. Après la destruction, on nettoie. Et on repart sur de bonnes bases, c'est simple. N'importe quoi! L'amour, c'est pour qu'ils se donnent l'un à l'autre, qu'ils se susurrent des mots tendres, se prennent la main, se baladent, s'unifient. L'amour est un mal nécessaire. Ce n'est qu'un instinct primitif, bon pour la reproduction. Et Cupidon est là pour réguler tout ça. C'est comme Mars pour la guerre. Grâce à lui, tout se déroule assez bien, sans trop de dérives. Sans trop de dérives? Vraiment? Vous vivez dans quel monde? Au nom de quel dieu d'amour les hommes s'entretuent-ils aujourd'hui? Question. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. C'est bon pour mes affaires. Mais moi, ça me plaît, ce message de paix, de tolérance. L'amour au milieu de tout, c'est une bonne idée, non? Un message aussi tolérant qu'une bombe? Allons, compagnons, partons en croisade pour transmettre nos paroles de paix. J'écrirai mes textes de tolérance avec votre sang. L'amour, c'est comme une fleur. Moi, je l'aime au bout d'un fusil! Je m'occuperai de Cupidon moi-même.
Tu as oublié qui tu es. D'où tu viens. Tu as une mission à accomplir. Il y a des règles que moi j'ai imposées et qui seront respectées parce que les mortels en ont besoin. C'est pas plutôt nous qui avons besoin des mortels? C'est nous qui offrons un sens à leur pauvre vie. On leur offre rien. Ils font leur propre vie seuls. Leur guerre, l'amour. Orchestré par nous. Mais regarde-toi. T'es enchaîné, prisonnier, comme je l'étais. Prisonnier? De quoi? T'as peur de l'oubli? Tu vas obéir à ma volonté. Je suis le dieu des dieux. Toi et les autres, vous n'existez que parce que moi, je l'ai bien voulu. Je suis la mesure du temps. À l'origine de tous les atomes de cet univers. Je suis le grand marionnettiste de ce triste spectacle que toi, tu appelles humanité. Je définis le vivant et d'un claquement de doigts, je... Tu pourrais quoi? Regarde, t'as plus aucun pouvoir ici. Et je pense même que c'est... C'est qu'une question de temps avant que les mortels s'affranchissent de toutes leurs croyances. Tu sais où on est? C'est les arènes de Lutèce. Et c'est tout ce qui reste de la seule civilisation pour laquelle on a vraiment compté. Tout ce qui reste de nous, c'est des ruines. Étreindrait s'amouracher du soir au petit matin. Moi le petit archer, c'est mon pain quotidien. J'en aurais décoché des flèches au lointain. Tous les jours que Zeus fait, c'est la Saint-Valentin. Bien que je ne sois plus comme dans tous ces tableaux, ce petit gars joufflu, un arc dans le dos, un grain de sable, c'est incongru. Un grain de sable, c'est bienvenu. Un grain de sable, c'est incertain. Un grain de sable, c'est opportun. De conquête, de pulsion, quand on parlait de ça, de bluette, de passion, c'est moi qui donnais le la. J'avais mes habitudes, un statut de héros, malgré mes aptitudes, je repars à zéro. Car un malin coup du sort a changé mon paysage, mon dessin dans les rapports, un caillou dans les rouages. Un grain de sable, c'est incongru. Un grain de sable, c'est bienvenu. Un grain de sable, c'est incertain. Un grain de sable, c'est opportun. J'ai changé de calèche, moi le mini monarque. J'ai remballé mes flèches et remisé mon arc. Je n'obéirai plus au dieu de l'antiquité, Cupidon révolu, vive la liberté!